Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. ربنا. ربنا. آتنا. آتنا. في الدنيا. في الدنيا. حسنة. حسنة. وفي الآخرة حسنة. وقنا. وقنا. عذاب النار. عذاب النار. Alors les enfants, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont un très mauvais comportement avec leur maman et leur papa? Ils ont un très mauvais comportement avec leur maman et leur papa. Et cela fait partie des plus grands péchés. Comme nous l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Inna min akbar al-kaba'ir ». Certes, parmi les plus grands des grands péchés, il y a le fait qu'un homme maudisse, insulte ses parents. Mais ils ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment un homme peut maudire ses parents? Comment quelqu'un peut insulter ses parents? Eh bien, vous savez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, yasubbur rajul abar rajul. Il dit l'homme, il insulte la mère ou le père de quelqu'un d'autre. Ben, qu'est-ce qu'il va faire la personne automatiquement? Eh bien, il va insulter sa mère ou son père. Donc, c'est comme si c'était lui-même qui les avait insultés. Si tu es à l'école, ou au parc, ou au centre, ou au sport, ou devant ta porte, et que quelqu'un t'embête et que tu lui traites sa maman, est-ce qu'on a le droit de traiter la maman de quelqu'un? Non. Mais si tu lui traites sa maman, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va traiter sa maman. Il va traiter ta maman. Donc en fait, c'est comme si que toi-même, tu avais traité ta propre... Vous avez compris ou pas? Ou tu vas voir quelqu'un et tu te moques de son papa. Ben, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va se moquer de ton papa. Donc c'est comme si que toi-même, tu t'étais moqué de ton papa. Et ça fait partie des plus grands des grands péchés. Imaginez-vous ceux qui insultent directement leurs parents. Certains, quand ils s'énervent, ils disent de mauvaises choses avec leur bouche, de très graves choses avec leur bouche, et ils insultent leur papa, ou ils insultent leur maman. Certains, même lorsqu'ils sont grands, ils frappent même leur maman, ils poussent leur maman et leur papa. Il y a une fois, un papa et une maman qui sont venus au poste de police, au commissariat de police. Ils avaient peur, très très peur. Ils ont dit, il faut nous sauver. Mais les policiers, ils ont dit, mais de qui? Qu'est-ce qui vous veut du mal? Ils ont dit, c'est notre fils. Notre fils, il nous frappe tous les matins et tous les soirs. D'abord, il tape sa maman et ensuite, il tape son papa. Et c'est des histoires vraies. Un jour, j'étais pas loin de chez moi et je vois une voiture de police passer, une autre passer, une autre passer. Ah. Et je regarde où est-ce qu'ils vont. Ils vont chez quelqu'un que je connais. Ah. Je dis, mais pourquoi ils vont chez cette personne? Et parce qu'en fait, il est en train de frapper sa maman. Et c'est son petit frère qui a dû téléphoner à la police et c'est la police qui a dû venir pour les séparer. Et ensuite, quelques années plus tard, eh ben sa maman, elle est morte. Eh ben lui, jusqu'à aujourd'hui, il est encore vivant. Eh ben il a ce souvenir. Et je pense qu'il doit beaucoup regretter. Et j'espère pour lui qu'il va demander à Allah tabaraka wa ta'ala de lui pardonner ses péchés. Parce que c'est très grave d'avoir un mauvais comportement envers sa maman. Envers sa maman.
Et il y a même une maman qui a écrit une lettre. Et dans sa lettre, elle a expliqué la désobéissance de son fils. Cette pauvre mère, elle a éduqué son fils. Elle a veillé des nuits, c'est-à-dire qu'il y a des nuits où elle n'a pas dormi pour s'occuper de son fils. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié son bonheur pour s'occuper de son fils. Elle a organisé son mariage. Elle l'a marié. Et quand il s'est marié, vous savez ce qu'il a fait? Il ne s'est plus occupé de sa mère. Il a désobéi à sa mère. Il a rejeté sa mère. Et elle a écrit une lettre. Et dans sa lettre, elle explique sa situation. Elle dit, mon fils, aujourd'hui, il a 25 ans. Donc il est né, son fils, il est né, il y a combien de temps? 25 ans. Il y a 25 ans. Donc elle a dit, il y a 25 ans, quand j'ai appris la naissance de mon fils, cela a rayonné ma journée. Lorsque le médecin a dit que j'étais enceinte, elle dit que cela fut un mélange de joie et de bonheur avec le début de la fatigue et des changements psychologiques et physiologiques. Elle était tellement contente, tellement heureuse, mais à côté, elle a commencé à ressentir la fatigue et elle a changé d'humeur. Elle a dit, après cette bonne nouvelle, je t'ai porté dans mon ventre pendant combien de fois, pendant combien de temps la maman, elle porte le fils dans son ventre? Pendant 9 mois. Et je me levais péniblement, je dormais difficilement, je mangeais à contre-cœur et je respirais malaisement. C'est-à-dire que sa maman, elle avait du mal à se lever, elle avait du mal à se coucher, elle n'avait pas faim, mais elle se forçait à manger. Pourquoi ta maman, elle se forçait à manger? Pour que toi, tu manges. Et elle avait du mal à respirer. Elle a dit, malgré tout, cela n'a jamais affaibli l'amour que je porte pour toi et la joie de t'avoir. Au contraire, plus les jours passaient et plus mon amour pour toi ne cessait de se développer et le désir de te voir grandissait. Elle a dit, c'est pas parce que j'ai eu mal et j'étais fatigué. Au contraire, c'est pas grave. J'étais pressé de voir mon enfant. Je t'ai porté, mon fils, subissant pour toi peine sur peine et douleur sur douleur. Cependant, j'étais heureuse. Heureuse chaque fois que je ressentais dans mon ventre un de tes mouvements. Je me réjouissais lorsque tu prenais du poids, bien que la grossesse me soit pénible. C'est en effet une longue fatigue. Une longue fatigue. Elle était contente, même si c'était fatigant pour elle. Même si le bébé, il grossit. Donc s'il grossit, c'est qu'il est plus lourd dans le ventre. Même si cela, elle a dit, moi je continue à être content. Ensuite, elle a dit, ça y est, tu es venu au monde. L'aube de cette fameuse nuit est arrivée. Cette nuit où je n'ai pas dormi, où je n'ai pas pu fermer l'œil. Cette nuit, j'ai été secoué par les douleurs, les difficultés, l'anxiété et la peur. Une situation telle qu'il est impossible de la décrire par écrit ou même oralement. Ça y est, le jour où elle a accouché est venu. Mais imaginez-vous, pour ce jour, le jour pour une maman, et vous pouvez demander à votre maman qu'elle vous raconte le jour où elle vous a accouché. Elle n'a pas dormi, elle a eu peur, elle était contente. Elle avait peur que cela se passait mal, mais elle était très contente que tu aurais pu sortir. C'était un jour difficile pour elle. Ensuite, elle a dit, je jure par Allah, mon enfant, à plusieurs fois j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru voir la mort de mes propres yeux jusqu'à ce que tu viennes au monde. Tes larmes de naissance se sont mêlées à mes larmes de joie et toutes mes douleurs et mes blessures ont disparu. Lorsque le bébé il est né et qu'il a pleuré, il a commencé à pleurer. Qui sait faire le bruit d'un bébé qui pleure? Vas-y. Vas-y. Tu vois? C'est un canard, ça. Hein? Donc, le bébé, il est sorti. Et le bébé, dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pleure. Eh bien, elle dit, tes larmes, lorsque j'ai entendu tes larmes de naissance,
Eh bien, ceux-là se sont mêlés à mes larmes de joie. Le bébé, il pleure. Le bébé, il pleure puisqu'il est né. Et moi, je pleure parce que je suis content. Et est-ce que vous savez, les enfants, pourquoi le bébé, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, pourquoi il pleure? Parce que dès qu'il sort, le shaitan le touche. Eh oui, le shaitan le touche, donc l'enfant pleure pour cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ma min mauloudin yuladu illa nakhasahu shaitan, illa nakhasahu shaitan, fayastahillu sarikha min nakhsihi ou min nakhsati shaitan, illa ibn Maryam wa ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été, au moment de sa naissance, touché par le shaitan. C'est pour cela qu'il commence à crier à cause de cela, parce qu'il s'est fait toucher, de cet attouchement dont il a été objet de la part du shaitan. Mais le seul bébé qui n'a pas été touché par le shaitan, c'est qui? C'est le prophète Isa. Isa alayhi salam, le fils de Maryam. Et Abu Huraira radiyallahu an, il nous dit, lisez le verset où Allah azza wa jalla dit: Wa inni u'idhuha bik wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Lorsque Maryam, elle a dit: et je le place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le shaytan le bannit. Donc les enfants, lorsque on reprend la lettre de cette maman, lorsque son enfant est né, elle était tellement contente. Et ensuite, elle a dit: Oh mon cher fils, pendant des années de ma vie, je t'ai porté dans mon cœur, je t'ai lavé de mes propres mains, mon giron fut ton lieu pour dormir, et de ma poitrine tu prenais ta nourriture. Donc pendant des années, quand l'enfant il a grandi, eh bien, elle s'est occupée de lui. C'est elle qui le lavait. Il était toujours dans son cœur. Il dormait auprès de elle. Sa poitrine, c'était sa nourriture. Elle a dit: j'ai veillé mes nuits pour que tu dormes. Elle n'a pas dormi. Pourquoi la maman, elle ne dort pas? Pour que toi, tu dors. Non, une fois que toi, t'es bébé, ben, toi, tu pleures, tu ne veux pas dormir. Ben, ta maman, elle a envie de dormir. Mais elle ne dort pas. Pourquoi? Pour que toi, tu... dors. Tu dors, t'imagines, toi? Elle se fatigue pour que toi, tu es content et pour que toi, tu es en bonne santé. Mon seul souhait est de pouvoir entrevoir ton sourire et ma joie de tout instant, et que tu me demandes de te préparer quelque chose. Ceci était mon bonheur extrême. Je demeurerai ainsi pendant toutes les nuits et les jours qui s'écoulèrent. Je demeurerai une servante sans reproche, une nourrice ininterrompue et une travailleuse sans relâche. Ceci jusqu'à ce que tu aies atteint ta maturité et ta pleine croissance, et jusqu'à ce que j'ai commencé à voir en toi tes signes de la virilité. Donc, à chaque fois qu'il était petit, sa maman, elle est contente quand il lui demande quelque chose. Sa maman, elle est contente quand son enfant sourit. Mais ensuite, l'enfant grandit et il commence à devenir un homme. Donc je me suis précipitamment mis à courir ici et là pour te trouver la femme que tu demandais. Puis un jour vient le jour de ton mariage. Mon cœur déchiré, alors mes larmes coulaient, car j'étais d'une part heureuse de contempler ta nouvelle vie de bonheur, mais d'autre part, j'étais triste de te quitter. Ensuite, cet enfant, il a commencé à grandir et il a voulu se marier. Donc sa maman, elle a trouvé une femme pour lui et elle l'a marié. Quand son fils il s'est marié, elle était triste puisque son fils il allait quitter sa maison, mais elle était contente puisque son fils allait commencer une nouvelle vie. Ensuite, les heures s'écoulèrent lentement, mais brusquement tu n'étais plus le fils que j'avais connu auparavant. Soudainement tu m'as rejeté et tu as faim d'oublier mes droits sur toi. Les jours passent sans que je te voie ni t'entende. Tu as faim d'ignorer celle qui t'a présenté le meilleur service. Mon enfant, je ne demande rien de plus que de me compter parmi les membres de tes plus lointains amis et parmi ceux que tu rencontres le moins souvent. Ensuite, il s'est marié. Et cet enfant désobéissant, il ne s'est plus occupé de sa maman.
T'imagines sa maman, elle l'a porté, elle l'a éduqué, tout ce qu'elle a dit, et lui il s'est marié, il a préféré rester avec sa femme et avec ses enfants, et il n'allait plus, il ne rendait plus à sa maman, il ne rendait plus visite à sa maman, il n'appelait même pas sa maman, il n'offrait pas de cadeaux à sa maman. Est-ce que c'est gentil ce qu'il a fait cet enfant? Parce qu'il était désobéissant, parce qu'il a oublié, il a oublié l'importance de sa maman. Ensuite, elle dit, mon tendre fils, fais en sorte de m'accorder chaque mois une place dans ta vie pour te voir ne serait-ce que quelques minutes. Mon cher fils, sache que mon dos est courbé, mes membres sont tremblotants, les maladies m'ont exténué et le dépérissement m'a frappé. En effet, je ne me lève que difficilement et je m'assois que péniblement. Malgré tout, mon cœur ne cesse d'être animé par ton amour. Si un jour une personne te montre du respect, tu t'empresserais de la remercier pour avoir bien agi et pour le bienfait reçu. Alors que dire de ta mère? Que mon Seigneur te garde. Qui a été bonne envers toi? D'une bonté que tu ne conçois pas et d'une bienfaisance à laquelle tu es ingrat. Cette mère qui était aux petits soins avec toi et s'est occupée de toi des années successives, cette mère qu'a-t-elle donc récolté comme réponse à ce qu'elle a obtenu en compensation? Comment en es-tu arrivé là à être aussi insensible et comment le temps aura agi sur toi? Elle lui demande, viens même une fois dans le mois. Une fois par mois, viens me rendre visite. Mais même une fois par mois, elle ne lui rendait pas visite. Ensuite, elle lui dit, mon fils chéri, chaque fois qu'on m'apprend que tu es heureux dans ta vie, ma joie et ma réjouissance se redoublent. Cependant, je suis étonné par ton comportement, alors que tu es le produit de mes mains. Je me pose la question, quel crime ai-je commis pour être devenu ton ennemi, pour ne plus vouloir venir me voir et pour te montrer réticent à mon égard? Pourtant, je ne vais pas me plaindre de toi auprès d'Allah, et je ne vais pas communiquer ma tristesse à Allah. Car si jamais elle s'élève au-dessus des nuages et monte jusqu'aux portes du ciel, alors le malheur te frappera pour avoir été ingrat envers moi. Le châtiment t'atteindra et l'adversité s'installera dans ta propre maison. Non, je ne le ferai pas, car tu es toujours mon enfant, le fruit de mes entrailles, le doux parfum de ma vie, le plaisir de mon existence. C'est-à-dire qu'elle dit, comment tu as pu en arriver là alors que c'est moi qui t'ai éduqué? Elle a dit, mais toute la tristesse que j'ai, je ne vais pas lever mes mains. Je ne vais pas dire à Allah que je suis triste. Je ne vais pas faire des du'as contre toi. Parce que si je fais des du'as contre toi, Allah va te punir. Allah va te châtier. Et Allah va te faire vivre une vie malheureuse. Réveille-toi mon fils. La vieillesse n'est plus si lointaine. Les années passeront et tu deviendras un vieux père à ton tour. Mais sache que la peine est proportionnée à la faute. À ton tour, tu écriras à ton fils en pleurs de la même façon que je t'ai écrit. Certes, les litiges seront jugés par Allah. Ensuite, elle lui a dit quoi? Elle a terminé comme ça. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, n'oublie pas, puisqu'il y a une règle dans la religion. Retenez cette religion, les enfants. Si tu es méchant avec tes parents, eh ben Allah il va te donner des enfants qui seront méchants envers toi. Si tu es méchant avec tes parents, eh ben quand tu vas grandir, tes enfants te seront encore plus méchants que toi tu l'as été. Par contre, si tu as été bon envers tes parents, Allah tabaraka wa ta'ala te donnera des bons enfants. Elle lui dit, toi aussi un jour, tu deviendras un vieux papa. Et toi aussi, tu vas écrire une lettre à ton fils pour lui demander d'avoir un bon comportement envers toi et de te rendre visite. Et ensuite, elle a dit, dans tous les cas, tous les litiges seront jugés par Allah. On n'oublie pas qu'on sera jugé. Allah tabaraka wa ta'ala va nous interroger et Allah azza wa jal va nous poser les questions. Pourquoi nous n'avons pas eu un bon comportement envers nos parents? Rabbana atina. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On va lever nos mains et on va demander à Allah, on va faire des du'as pour nos parents, on va demander à Allah tabaraka wa ta'ala de leur faire miséricorde. Allahumma Allahumma irfir lana
ولوالدينا ولوالدينا اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc on demande à Allah de leur faire miséricorde comme eux ils m'ont éduqué alors qu'on était petits.